C'est commencé, vous pouvez y aller. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Welcome to this regular council meeting on the 14th of June, 2021. I'll start by making sure that we have quorum. I'll name each person individually. Madame Asley? Présente. Monsieur Chamaillard? Présent. Monsieur Bogue? Présent. Monsieur Campbell? Présent. Monsieur Lefebvre? Présent. Monsieur Paquet? Présent. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut lire la vision, Monsieur Lefebvre? Oui, merci, Monsieur Tsaranakis, et bonsoir à vous tous. Vision, Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréo-touristique qui, par l'essor de cette synergie, fera de Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci. Merci, Monsieur Lefebvre. I'll also take this opportunity to recognize that the land on which we walk, we gather and work is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabeg people. Thank you very much. Est-ce que j'ai une proposition pour ouvrir pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Bogue, secondé par Monsieur Campbell, tout en faveur? Oui. Est-ce qu'on a des déclarations de conflit d'intérêt ce soir? Aucun conflit? Parfait. L'adoption de la process verbal, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Paquet. Je pense qu'on a plusieurs, c'est ça? On peut le faire tout en one shot? Hein? Tout en faveur? Personne contre? Sont adoptés. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des rapports des conseillers ou Madame la maire? Non? Parfait. Aucune présentation, je pense, ni aucune délégation. Est-ce qu'on a des questions soumises? Non, aucune madame. Question. Aucune question. Ça donne, on est déjà au numéro 9, sujet pour action, numéro 9.1, approbation du budget pour le souffleur à neige 2022. Une proposition pour ouvrir la discussion? Non. Monsieur Chamaillard, secondé par Monsieur Campbell. Parfait. Madame Longtemps, oui. Donc, je peux lire la recommandation? Merci. Attendu que nous avons dû faire l'achat d'une rétro-caveuse avant de remplacer le souffleur à neige suite à des conditions mécaniques préoccupantes, et attendu que, pour garantir une date de livraison avant le début du mois de janvier 2022, il faut faire l'achat d'un souffleur à neige sans tarder. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve un budget de 190 000 $ pour l'achat d'un souffleur à neige pour l'année 2022, afin que nous puissions débuter le processus d'appel d'offres tel que recommandé au document 2021-REC-52. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Aucune question. Pretty straightforward. Everyone has read the proposal. All in favor then? Any opposed? C'est adopté. Merci beaucoup. 9.2. Vente d'équipement des jouets. Obsolete equipment. Madame Lantin. Or we will open, we need a proposer first. Un proposer pour la discussion. Monsieur Paquet, secondé par Monsieur Chamaillard. Merci beaucoup, Madame Lantin. Attendu que le directeur du service des travaux publics et de l'ingénierie recommande au conseil municipal d'autoriser la vente des équipements suivants selon la politique de vente d'équipements désuets de la ville, SFP 2018-3. Étant donné que ceux-ci ne sont plus nécessaires et ne répondent plus aux besoins de la corporation de la ville de Hawkesbury, et attendu que celui-ci recommande aussi de débuter le processus de vente des articles mentionnés ci-dessous tant que la valeur de l'équipement respecte la valeur inscrite sur le tableau 6 juin. Qu'il soit résolu d'en faire la vente telle que recommandée au document 2021-REC-53. Merci beaucoup. Des questions? Oui, M. Paquet. Oui, merci, M. Tsaranakis. Je sais que j'ai vu qu'il y avait des haut-parleurs dans les ventes des UF. Ça fait déjà un bon moment, un bon bout de temps que ces équipements-là ne sont pas utilisés. Dû au fait qu'on avait eu un octroi pour acheter un système de son tout neuf quelques années passées.
Ma question, oui, c'est que je sais que notre technicien de son, qui est M. René Labelle, avait espoir d'être capable de garder certains de ces équipements-là. Les vieilles, je parle. Je parle surtout des haut-parleurs, des moniteurs. Je voulais juste savoir si on avait vérifié avec lui quel moniteur qu'il voulait absolument garder pour faire des festivals et autres, parce que je sais qu'il veut garder certains équipements. Aussi, je n'ai pas vu qu'il y avait une board aussi au complexe sportif, et non pas la digitale, mais la analogue. Elle aussi est désuète, puis elle devrait être dans les objets désuets aussi. Elle existe, elle est encore part au complexe, c'est sûr certain. Donc, elle n'est plus nécessaire à nous, parce que quand on a acheté le nouveau système de son, il y a une belle grosse board digitale qui est comprise là-dedans, là. Puis qui est toute programmée par M. René Labelle, qui est notre ingénieur de son quand on a des activités à la ville. Donc, moi, avant qu'on vende des speakers, puis des haut-parleurs, puis quoi que ce soit, je pense qu'on devrait appeler M. Labelle, puis lui faire vérifier les équipements qu'on va mettre en vente, pour ne pas être obligé d'en racheter d'autres pour faire un autre prochain festival western, si jamais il y en a un. Merci, M. Paquette. Mr. Wilson, will you be able to do that? Thank you very much. I had another question, I think it was, or someone had a question, Mr. Campbell, est-ce que c'était toi? Oui. Oui, hey, la liste des équipements désuets à vendre, là, apparaît où? Juste sur le site d'Hawkesbury ou si elle va être listée? Moi, dans le fond, ce que je fais, M. Campbell, c'est que je le mets sur GovDeal. C'est un site web. Puis, si je me rappelle bien, l'année passée, on l'avait affiché sur notre site Internet avec le lien, justement, pour se rendre à GovDeal. C'est un site, dans le fond, d'encamp pour toutes les municipalités dans la région. Autant au Canada qu'aux États-Unis, mais dans le fond, c'est une vente aux enchères. Le meilleur, on met un prix de départ, puis on met le prix minimum que j'ai inscrit sur justement les affiches, puis à partir de là, les gens soumissionnent sur l'article qu'ils veulent acheter, puis généralement, je mets une date de 2 semaines d'affiche, puis après ça, la journée de l'affiche qui se termine, on décide de la personne qui remporte. OK. Merci. Merci, Monsieur Wilson. What happens if the minimum bid is not received? Does it go back into our position and then we put it up again at a future date? Yes, correct. And I revise the price. If it needs to be revised, I revise the price. I can see if there's an interest, if people go see that article also. So it letting me know that, like, there's an interest, but the price is too high. Or so last year it happens with 2 articles. We sold everything. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, tout en faveur? Personne contre? C'est adopté. Merci beaucoup. That will bring us to 9.3, embauche de gestionnaire de ressources humaines. Une proposal? Monsieur Paquette, secondé par Monsieur Lefebvre. Merci. Madame Lontain. Attendu que le poste de gestionnaire des ressources humaines a été ouvert suivant la nomination de Dominique Couteau à titre de directrice générale et attendu que le processus de recrutement débuté en avril 2021 a respecté la politique en vigueur, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Madame Renée Périgny à titre de gestionnaire des ressources humaines à temps plein, effectif le 21 juin 2021. Tel que recommandé au document 2021-REC-54. Merci beaucoup. Des questions? Anyone with any questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Tout en faveur? Personne contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Ça donne, on est à 10.1, règlement. Autoriser l'utilisation d'équipement de dépouillement de scrutin. Une proposeur, s'il vous plaît. Pas besoin. Alors, pour le règlement, ça ne prend pas une proposeur. Excellent. On discute, c'est ça? The floor is open for discussions. Any questions? Oui. Oui, M. Paquet. J'aimerais juste que ce soit rajouté dans le règlement, que ce soit plus clair, que c'est avec... vote additionnel avec tabulatrice.
Are we able to do that live to make that change and adopt it today, or does it have to be resubmitted? Non, on se met d'accord que les changements apportés, on est d'accord avec. Puis on peut, je pense qu'on peut faire la première, deuxième et troisième lecture, là, je crois, mais oui. Un auteur, c'est comme si on fait un amendement. On peut faire un amendement aussi, si vous voulez. Est-ce que ça prend un proposeur de secondaire ou juste un amendement de demande? Ben, moi, je suis le proposeur, puis le secondaire, je ne sais pas c'est qui, mais c'est M. Chamaillard. Bon, ben, regarde, moi, je suis prêt à faire l'amendement. Parfait. Je veux juste que c'est fait comme... Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Tout en faveur de cet amendement-là? C'est adopté. Parfait. Ça va passer après le règlement. We're going to do it first, second, and third reading at the end. Is that correct? So at this stage, it was just to discuss it, and that's it? Or do we have to vote on it here? On fait la première, deuxième et troisième lecture avec les changements. Tout de suite? Oui. Oui. On lit en première lecture, deuxième lecture. S'il n'y a pas une autre question, passez en troisième lecture. Merci beaucoup. Si. Avis de motion, je pense qu'il n'y a pas. Numéro 12, les rapports. On commence avec la Bibliothèque publique d'Oxbury, 12.1. Une proposeur, s'il vous plaît. We need a proposer to receive. Excusez, je pense que les rapports, on n'a pas moins de proposeurs, on n'a pas moins de secondaires. Okay. Tout ce qu'on fait à la fin du rapport, on demande si le conseil est prêt à accepter le rapport, puis oui ou non. Fantastique. Est-ce qu'on a des questions? C'est pas une proposition, c'est pas... raison, M. Paquet, c'est exactement comme ça. Oui, M. Lefebvre? Oui, peut-être, M. Turinakis, vous que vous représentez la municipalité, et vous siégez sur le conseil d'administration. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Je sais que notre service de bibliothèque avec Mme Bellil, c'est un service exceptionnel qui est, je pense, très reconnu dans notre région. Mais si vous avez des commentaires supplémentaires, vu que vous assistez à les assemblées, ça serait bon peut-être juste faire mention parce qu'ils ont beaucoup fait beaucoup de travail pour accommoder tous les jeunes durant la période de cette pandémie-là, qui était très important, je pense, pour nos résidents. Merci. Merci, M. Lefebvre, tu as absolument raison. I do have the privilege of serving on that council, and I'm privy to all the reports before it arrives here. And I will take this opportunity to commend the staff there. They work under extremely difficult circumstances now with COVID, but even though we do have these conditions, they're still able to give a service, exemplary service to the people that use it. And it's amazing how many people do use the library, even in this digital age. It fills a very important need in our community. So I do want to tip my hat to the staff doing an excellent job under difficult circumstances. And I know that they're looking forward now with the reopening to increase the amount of people that are allowed in the library and to increase the services. So a round of applause for the library. For those that don't know, the library is one of the few that's accredited and has extremely high scores for Ontario and for a library. So for a community of our size to have that level of a library, it's exceptional. So thank you for giving me that opportunity, M. Lefebvre. So si on est prêt de apprendre cet rapport-là, tout en faveur. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour recevoir le rapport, par contre. Ah, je pense qu'on a déjà fait ça, oui. C'était M. Paquette et M. Chamaillard. On n'en a pas fait ça. Parfait. M. Paquette, secondé par M. Chamaillard. Merci beaucoup. Now we have une demande d'appui pour la ville de Fort Erie. There was, I think they want us to adopt or support one of their motions. Is that correct? So it's, I could read it, it's in English. It's rather long, but basically the gist of it is the Municipal Council of the Town of Fort Erie passed the following resolution. Whereas primary residences are currently exempt from a capital gains tax, and whereas currently secondary and additional non-primary properties are subject to capital gains, and whereas the federal government is currently looking into a primary residence capital gains tax, as they have recognized that affordable housing has become a serious issue in Canada, and whereas smaller communities, including the town of Fort Erie, are seeing unprecedented higher selling prices that are outpacing prices in larger cities, I think that we're having some of that as well here,
whereas many hardworking Canadians who have only a primary residence with no additional non-primary homes count on their home equity as financial aid to apply to upsizing or downsizing their home depending on their personal situation. And whereas a change in taxation to primary residences would be a significant financial blow to Canadians and would create an unfair two-tiered taxation, which could lead to depleted savings, intergenerational disparities, disparities amongst diverse groups such as seniors who have a significant portion of their savings vested in their primary residence, as well as reducing the ability of home ownership, thereby further higher need for rentals. So it is therefore resolved that the federal government cease further consideration of eliminating capital gains tax exemptions on primary residences, and further, that a copy of this resolution be circulated to the Right Honourable Justin Trudeau, among other people. So I now open the discussion for any councillors that want to comment on that situation. Monsieur Lafayette, oui. Thank you, Mr. Terenakis. I certainly, and I'm sure we all support this resolution, to start taxing basically a home. When people invest in their home, they're not investing it basically to increase the value, but to maintain it. And to penalize people who are maintaining their houses is certainly not very appropriate, because it's their major, major investment, but it's not there to flip it. As you know, the federal government now in your income tax report asks you the question if you sold your house basically recently, to avoid people flipping their homes and their primary homes and be exempt from income tax. So that is the purpose in that respect. But if you sell your home and pay taxes, then how are you going to be able to afford another home, because you've already lost a certain percentage on the capital gains? It really doesn't make any sense at all. And what they're trying to do in terms of increasing affordable housing, it's very inappropriate by trying to avoid people selling their houses, therefore decrease the house sales and make affordable housing more affordable or available. It's certainly not the process. It's like increasing the interest rate to decrease inflation. What they're trying to do is to reduce the ability of people to sell their houses so that they're not sold, and to create affordable housing. You're going it in the wrong way, in my opinion. And this resolution, I think, needs the support of council. Thank you. Merci, Monsieur Lafayette. Thank you for your comments. Anyone else? Des commentaires. I'm going to echo a little bit of what Monsieur Lafayette said, that, you know, when a person buys an asset, an apartment building, or if they buy an investment, some stocks, you know, that's something that they're putting their money in there to make a gain and to profit from that. Now, a home is not the same thing. Most people don't buy a home that they live in to make money. We buy a home because we want to live in it. So the capital gains tax, I don't think, is the right way for the government to attack this problem. It's not a money-making opportunity like other investments. So I'm also not in favor of eliminating the exemption on a person's home. We want to encourage people to buy a house. That's one of the advantages of buying a house, that there's no tax on the capital gains. It's been like that for many, many years, and I think that it should continue to be so. That's my personal opinion as well. So, Mr. Turunakis? Go ahead, Madame Astley. I have one comment. One of the things that a lot of people have to consider is that when they sell their house, the profit that they make is their retirement plan. Like, not everybody has a retirement plan, in as much as it is highly recommended, but not everybody is able to afford it. So for me, I strongly support this resolution. Thank you. Thank you, Madame Aston. D'autres commentaires? S'il n'y en a pas d'autres commentaires, on va passer. Est-ce qu'on a une proposition pour appuyer cette résolution? Monsieur Bogue, secondé par Monsieur Campbell, tout en faveur? That's a motion is carried. Thank you very much, everyone. On passe à numéro 12.3, une autre demande d'appui, Terence Bay. Celui-là, c'est assez long. We'll just summarize it, I suppose. I'll read just a few parts and then we'll discuss it. So, the following resolution, whereas Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act dates back 30 years, whereas municipalities, including Terrence Bay, practice and continue to promote open and transparent government operations
actively disseminate information and routinely disclose public documents upon request, et cetera, et cetera. Creation, storage, and utilization of records has changed significantly. Municipal clerk of municipality is responsible for records and information management programs as prescribed, et cetera, et cetera, et cetera. In the end, be it resolved that the Ministry of Government and Computer Services, Consumer Services be requested to review the MFIPPA and consider the recommendations as follows. Number one, that they assign a municipal clerk or designate to be the head under the act, to be updated to address current and emerging technologies, the need to regulate consistent routine disclosure practices across institutions, take into consideration the community available resources in which it is applied, that the threshold for frivolous and vexatious also consider the anonymity of requesters, et cetera, that the application and scalability of fees be designed to ensure taxpayers are protected from persons abusing the access to information process, and that administrative practices implied or required under the Act, including those of the IPC, be reviewed and modernized. And number eight, that the integrity of the Act be maintained to protect personal privacy and transparent governance. That's a lot that's a big mouthful. If Madame Lontaine, would you mind summarizing it in a sense that would be that's a lot to take in. Basically, I believe that they want us to support the modernization for the Transparency Act and for freedom of information, so that it's not used in a frivolous manner, something like that. So after reading that, I don't see anything that I disagree with. So I don't have a problem with supporting it. But I'll open the floor to questions. Anybody have any questions? We'll have a proposer and a seconder, and we can vote on it if you like. Mr. Chamaya will propose, and Mr. Bogue will second. So all in favor of supporting this resolution from Plimpton, Wyoming County? En faveur. Merci, Madame Astley. Anyone opposed? Motion is carried then. Thank you very much. So that brings us to number 13, the question demande du conseil, commentaire par la directrice générale. Est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui, Madame Dussault? Non? Parfait. Ça finit là. That's it for what we have other than our closed meeting, le huis clos. So if we can then take a small recess, 5 minutes, and then we will proceed to huis clos. But seeing that the meeting went pretty quickly, do we need a recess? Is everyone okay to just go directly to the huis clos? Personnellement, moi, je suis correct. Fantastique. C'est ça qu'on va faire. Comme ça, on fait un passé de réunion-là, on va au huis clos, puis we'll be back. Do we need a resolution? Ça me propose, oui. Absolument. Monsieur Bogue, proposé par Monsieur Bogue, secondé par Monsieur Chamaillard, tout en faveur. Fantastique. I'll see you in the huis clos. Merci tout le monde. We'll be back soon.
It's possible, Monsieur Chamayor went to the first meeting and not the the meeting that was in between because of the way that it was on the calendar. So that's a possibility. In any case, we can continue. So welcome back everyone to the regular portion of our meeting. We will now go to section 15 to confirm the deliberations of council. Ça prend un proposal. Ça prend pas un proposal, c'est juste un vote. Oh, première, de, just a vote. So all in favor? Anyone opposed? Première, deuxième, troisième. Ah, ça c'est lié en première lecture, excuse-moi. Deuxième lecture. Adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. Puis, that brings our evening to a conclusion. Ça prend un proposal pour l'ajournement. Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Paquette. Merci tout le monde pour votre participation. J'ai une petite note ici, ça dit Go Habs Go. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Je n'oublie pas Raymond, dire à Louise. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine.